Déco. Allez. Et ben c'est parti. Et salut à tous, on est le 4 mai et ça part pour une belle journée de parapente. Les prévisions sont plutôt bonnes avec des jolis plafs, un léger voile nuageux mais rien de bien méchant. Par contre, comme toutes les belles journées à Planff, il y a du monde, donc il va falloir rester focus. Je décolle un peu plus tôt que d'habitude, il est 13h20 et ben vous allez voir que ça va me jouer des tours parce que quand je pars en transition pour les Dents de l'Enfant dans la forêt, je vais rien trouver en termes de thermique ou même d'appui dynamique, ce qui fait que je reviens un peu la queue entre les jambes en espérant ne pas vacher et courter mon vol dès ce moment-là. Allez, on va aller se refaire à plan, enfin, si ça veut bien. Sinon, j'ai ma petite vache de Bluffy que je connais. Je suis quand même vachement plus haut que ce... cette fois-là. Enfin, vachement plus haut. Plus haut. Ben là, si je me refais, c'est un miracle. Ah, ça, c'est du cheminement, ça. De l'efficacité m'amène. Non, en vrai, c'est cool. Je vais remonter au niveau du déco, là. Je suis quasi à 900. Je me suis sorti d'un trou, les gars. Là, j'étais à deux doigts d'aller poser. Bon, après ce magnifique sauvetage où j'étais à peu près à 300 mètres sol, je décide de me mettre en attente devant le déco et d'être un peu plus patient avant de me lancer. Par contre, il y a de plus en plus de monde en l'air, entre les biplaces, les baptêmes, etc. Donc toujours focus sur ce qui se passe autour. Putain, je suis pris dans un noyau de... dans une grappe d'ailes, là. On a l'impression qu'on va partir en compète, quoi. Bon, j'accélère vraiment la vitesse là parce que sinon on va se faire chier, j'ai passé un petit moment avant de me lancer. En tout cas, après ce petit tour de carrousel, je décide finalement d'y aller. La journée est bien installée et voilà, je pars vers la pointe nord des Dents, dans la forêt, directement pour faire des aides dans la face. Allez, ça y est, là c'est en place. Je suis à quasi 1300. Et normalement, ça devrait faire les Dents dans peu de temps. Mais j'aurais mis quasi une heure à sortir de Planff là-bas, putain. J'ai peut-être décollé un poil trop tôt. Et bon, j'ai perdu aussi du temps avec mon aller-retour et mon exhumation pour me sortir. Putain, j'étais enterré sous le déco, quoi. Là, ça y est, je trouve un bon appui en thermodynamique et tout de suite, mon vol est vachement plus efficace. Je vais mettre un quart d'heure à m'extraire à mon plafond du jour. Je vais monter à 2068 mètres et vous allez voir dans la suite de la vidéo que c'était peut-être un poil limite. Un petit coucou au Mont Blanc en tout cas, c'était vraiment magnifique là-haut avec encore un peu de neige sur les sommets. Ah là là, le Mont Blanc, comme il est beau! Et les a ravis! Allez, on va essayer de faire le plein ici quand même là. Allez, je tente la transition là sur le roc des Bœufs. 1h20 de vol, je suis encore à 1740. J'espère que ma finesse sera suffisante. A priori, je suis à 9, 10. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment la vraie vie, cette finesse instantanée. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que personne ne va au roc des Bœufs, manifestement. Et il y a un avion juste en dessous. Bon, changement de batterie, les amis. En tout cas, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Premier survol du lac. Et bon, je suis encore à 1120 mètres. Donc là, voilà, je vais vous raccrocher et me concentrer sur la mienne de raccroche.
C'était vraiment le moment détente, cette petite transition au-dessus du lac, là c'était trop beau et je finis par raccrocher le roc à 950, je crois que je suis pas super haut. Mais voilà, je jauge la masse d'air histoire de voir ce que je peux trouver en thermodynamique avec l'appui de la brise. J'ai vu sur internet qu'il fallait pas forcément trop s'avancer, donc voilà, je reste dans cette zone et j'essaye de trouver quelque chose. Malheureusement, je suis tout seul, donc c'est pas super facile. Je suis un des premiers arrivés sur le roc. Je crois qu'on était trois au total à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu la galère, malgré les autres pilotes qui m'ont rejoint. Bon, ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à être dans la merde. On est trois, là, pour l'instant, à peu près au même endroit. À galérer. Bon allez, encore un coup de boost sur la vidéo parce qu'au total je passerai plus d'une heure à tricoter là le long des falaises et entre les arbres. Finalement mes collègues de vol finiront par vacher à Douin, là, un petit peu plus en bas. Moi je m'accrocherai coûte que coûte, avec la brise qui se renforce, l'appui est un tout petit peu meilleur et finalement je réussis à faire un mini plaf à 1002. Bon allez, je vais tenter un hold up les amis. Là, je vois que bah, j'y arriverai jamais. Hein. Donc, je vais tenter une raccroche. Enfin, un atterro en tout cas, douceur. Je vais essayer de longer un peu les falaises d'Entreverne, là. Normalement, j'ai la brise dans le cul. Donc, finesse atterro, ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Parce que là, je bute clairement. Ça fait 2h40 que je vole et voilà, je me suis bien refait. Je suis remonté à plus de 1000 mètres là, mais bon, déjà je suis usé, il est bientôt 16h, le voile commence à bien s'installer, donc à mon avis je ne bouclerai pas aujourd'hui, c'est sûr et certain. Donc voilà, je vais essayer de survivre jusqu'à Doussard si je peux. Ça me fera un peu de moins de stop. Et puis voilà, ça aura fait quand même un beau vol si j'arrive au bout. Allez, transition. Ah bah tiens, Lionel qui fait comme moi devant. Allez, pouli-pouli. À 44 à l'heure. Et ça plane plutôt bien. Bon, plutôt content de moi sur ce petit move qui m'a permis de rejoindre directement Doussard. Alors, je pensais avoir gagné du temps par rapport au stop. Effectivement, j'étais en l'air plutôt que dans la bagnole. Mais je finirai par retrouver mes collègues qui étaient avec moi le long des falaises dans la même bagnole qui nous a pris à Doussard pour nous ramener à Planfroid. C'est un atterrissage en formation, quoi. Espérant qu'il n'y ait pas trop de gradient et que je ne me mette pas trop long. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé. Au final, je boucle en 2h46, mon plus long vol jusqu'à présent. Et encore une fois, beaucoup d'apprentissage avec cette nouvelle transition, un petit vol au roc. Et j'ai pu rejoindre Doussard, donc c'était cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et surtout, j'attends vos commentaires avec impatience, peut-être pour les pilotes les plus expérimentés, avec quelques conseils pour pouvoir boucler le tour du lac plus sereinement. Allez, à plus !